Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit haul Action. Oui, j'ai craquouillé chez Action. J'ai tout d'abord pris du papier cadeau, ça reste là-bas chez Action, des étiquettes comme ça à 85 centimes et des rouleaux de papier cadeau, je crois, à 79 centimes. Donc pas cher et toujours pratique pour tout ce qui est enveloppement de cadeaux qui arrive pour Noël. Pour mes enfants, à 1,99€, j'ai craqué pour deux livres. Je sais pas, ils me disaient bien. Bien sûr, c'est sur le thème d'Halloween, donc c'est un petit peu passé. Mais ma foi, j'ai trouvé très sympa. Pour une fois, j'ai trouvé qu'ils faisaient des livres plutôt qui avaient l'air d'être pas mal, avec des beaux dessins, des petits textes, mais plutôt plutôt bien écrits comme ça, assez gros et tout. Mais je me suis dit pourquoi pas. Écoutez, on va tester. Je vous remettrai la notation si je les ai lus entre temps et ce que j'en pense. Bien sûr, je pense pas que ce soit de la grande littérature, mais voilà, mes enfants vont adorer avec ces petits dessins un peu Dracula et tout ça. Je trouvais ça sympa. On va rester pour mes enfants, j'ai craqué pour des bonbons, j'aime bien leur acheter ces petits paquets, comme ça on leur donne un petit paquet au goûter et ils restent raisonnables au niveau bonbons. Pour ma fille, je lui ai pris ça, je pense que je vais lui mettre dans ses petits cadeaux de Noël, en petit bonus parce qu'elle aime bien écrire dans des petits carnets. Et là c'est un petit carnet style journal secret de mini, donc je pense qu'elle va adorer. Je lui ai pris ça aussi à ma fille puisque elle a besoin, bah là il commence à se faire frais, hein, donc elle a besoin de gants et je lui ai pris avec un chapeau gris et elle a un cache-cou que j'ai récupéré à Marseille, donc qui est gris, donc ça fera le trio gagnant. Pour ma fille toujours, je lui ai pris des petits accessoires comme ça, cheveux, ben, pour ma fille et moi, hein, je pense que je vais tester aussi. Les fameux accessoires cheveux, je crois que c'était 99 centimes avec les espèces de petits nœuds en haut, je l'ai trouvé plutôt sympa et j'en ai entendu du bien, donc je me suis dit pourquoi pas, soit pour ma fille, soit pour moi, mais je pense que pour moi ça va être un peu ric-rac au niveau de... Faut pas avoir une grosse tête quoi. Ça peut être joli à voir, hein, bien sûr, avec une tenue, un make-up et tout, ça peut être très sympa. Bon, après 99 centimes, ça restait raisonnable et si ça me sert pas, ça servira à ma fille sans problème. J'ai craqué pour quelques petits produits ménagers, donc là j'ai pris le hand wash, donc le produit pour main comme ça de cette gamme là qui soit disant un petit peu écologique, etc. J'aime pas tous les produits de cette gamme là, mais là je me suis dit pourquoi pas un produit pour les mains, ça peut être toujours sympa dans la cuisine. 99 centimes, donc ça restait raisonnable. J'ai pris pour ma salle de bain en haut, puisque j'ai pas forcément tous les produits à dispo, des petites lingettes pour nettoyer de temps en temps. Celle-ci, elle marche pour les miroirs, pour les surfaces sanitaires et tout ça, donc aussi ça peut être pratique de temps en temps. Je sais, c'est pas écologique, mais c'est vrai que ça dépanne quand on est en galère et qu'on n'a pas forcément envie de sortir le chiffon, le nettoyer, nanani, nanana, et qu'on veut aller vite. J'ai pris des sacs poubelles parce que là j'en avais plus, je commence à être en galère. Et j'ai pris ces deux petits produits là parce que c'était les derniers et honnêtement ils sont vraiment très bien. Ouh, catastrophe. Si vous êtes comme moi, une maman, et que vos enfants salissent à peu près tous leurs vêtements, ou que même vous, vous êtes comme moi, en boulet et que vous la salissez régulièrement, eh bien Vanish est plutôt pas mal. Je l'avais acheté une fois et je l'avais beaucoup adoré. Je trouve qu'il enlève vraiment très très bien les taches, surtout les taches, vous savez, genre orange, de carotte sur le vêtement tout blanc immaculé. C'est toujours sympa, on adore, et ça reste même après lavage. Donc ça, je mets un petit coup de pchit-pchit là et ça part plutôt bien. Donc là j'en ai racheté parce que on n'en avait plus et il est vraiment efficace. En accessoire toujours, des scotch pour mes ventes vintage, pour mes colis que je prépare, etc. Donc j'aime bien avoir du scotch, du gros scotch, il reste pas cher là-bas. J'ai pris aussi de l'huile comme ça, parce qu'elle était pas chère, 1,60€ je crois dans les offres. Et c'est de l'huile d'olive extra vierge, extra froid, bon bah pourquoi pas. J'ai déjà goûté les huiles que vous achetez chez Action et moi je les trouve plutôt sympas, elles sont bonnes, il n'y a pas de problème. Donc j'aime bien l'huile d'olive, en avoir un petit peu à la maison en stock, donc je crois que j'en ai plus trop, donc j'aime bien en avoir. Et pour mes élèves, vous savez que je fais une sorte de boîte au trésor, boîte à cadeaux. Du coup je leur ai racheté ça parce qu'en fait ils les ont tous pris, donc je me suis dit que ça doit leur plaire. Je leur ai racheté ça à 50 centimes, je crois que c'était autour de 59 centimes parce que ça leur a plu aussi beaucoup et ils les ont déjà tous pris. Et je leur ai acheté ça parce qu'elles aiment bien tout ce qui est, merci Andy, vous savez, les gels pour les mains antibactériens, mais sauf que je peux pas tous acheter les gels merci Andy, hein, ça va me coûter cher. Donc pour leur mettre dans la boîte à cadeaux, je me suis dit que là ça devait être 1€, donc ça fait 50 centimes 1, ça pourra leur plaire à certaines filles qui veulent mettre du nettoyant pour les mains. Les packaging sont plutôt sympas et j'ai cru comprendre qu'ils étaient pas mal. Je crois que Mélanie m'en avait déjà offert, que j'ai terminé, donc dans mes souvenirs ça avait été plutôt pas mal. Ça, c'est pas du merci Andy, mais c'est pas mal. Et voilà pour mon petit craquage Action. J'ai été quand même ultra raisonnable. Mais vous verrez une autre partie de mon craquage Action, je pense, au mois de décembre pour les fêtes. Il y avait vraiment pas mal de choses pour Noël et tout ça. Donc j'ai résisté, mais j'achèterai, je pense, la prochaine fois sans problème. Voilà.
J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Je sais qu'elle a été ultra rapide, hein. J'avoue que je ne pensais pas avoir été autant raisonnable, hein. Bon, n'hésitez pas à me dire vous vos dernières trouvailles. Et oui, il y avait quelques petits trucs que je voulais absolument mais que j'ai pas trouvé comme d'hab, hein. Comme vous, je regarde des vidéos action et puis quand j'y vais, il n'y a pas ce que je veux. Ça arrive régulièrement. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite. Salut, salut!